Première journée de... Je sais pas si je passe à chercher ou pas, moi je pourrais être là vers 11h à peu près, ou plus tard, mais... Première journée d'exercice, on commencera pas ça raide. Moi aujourd'hui j'ai du hockey, c'est-à-dire que j'ai du hockey dans 1h30. En fait, je suis déjà en retard. Mais pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps pour s'entraîner, pour faire attention à soi, ça, c'est la meilleure affaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, la roulette. Ça, t'en fais là, genre 10, là, en startant, là, je t'en fais 10. Pour ça, tu vas être correct. Check bien ça. Moi, ce que je fais, je me mets les genoux sur une affaire qui est mou. Parce que ça fait mal. Là, tu descends. Tu remontes. Tu fais ça 10 fois. Tu peux aussi y aller de côté. Simple comme ça. Puis là, demain, tu vas avoir mal en tabarouette aux abdominaux. Mais en fait, t'en fais plus que 10. T'en fais 10, mais de chaque. 10 en avant, 10 sur le côté gauche, 10 sur le côté droit. Fais ça, puis demain, on s'en reparle. Puis comme j'ai du hockey aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose que je vous ai jamais montré. J'étais impatenteux. Je trouvais tout le temps que mon stock de gardien séchait pas vite, puis c'était vraiment tannant. Fait que je me suis bâti un genre de locker room pour faire sécher mon stock. En plus de ça, j'ai une patinoire synthétique dans mon sol. On va là-dessus avec des patins, là. Ça glisse pis tout, là. Ben, je vais faire ma poche d'hockey. Glad to join many of your friends in wishing you the best of this day and in thanking you for another year of making us laugh and making us think. On s'étire. On finit ça avec un petit push-up. Demain. Après le hockey, le lundi, je viens toujours sur la rue Mont-Royal me chercher un jambon beurre chez Première Moisson, puis un bon café. Pour faire de pub, là, mais après ça, je m'en vais à mon autre game, l'Université McGill, mais là, la saison est terminée. Par contre, vendredi puis samedi prochain, je m'en vais à Ottawa jouer contre l'Université d'Ottawa avec l'Université McGill. En train d'écouter la conférence de presse de des Canadiens. Bon, mieux pour échanger sur Ubin, parce que moi, fini en plus de Canadiens, tout jamais. Mais ça n'a pas l'air d'être parti pour ça. Et, c'est quand même des hommes intelligents de hockey, là. Fait que, ben content. Une affaire, je voulais vous dire. J'étais un petit peu ses nerfs. Faire un vlog à tous les jours pendant 27 jours, c'est quand même de la job. Là, je m'apprête à faire le montage du vlog jour numéro 1. Fait que les 4h30, dans 1h30, il faut que ça soit fini. 4h30. Fait que le chien, ben on le marche tard ce soir parce qu'il n'y a plus toute la journée, hein, vous savez. Vous en souvenez qu'il n'y a plus toute la journée? Lundi? Il paraît qu'il va faire bien beau cette semaine. J'ai bien hâte de voir ça, moi. Moi, je dis que les météorologues, ils font comme par exprès, puis
il nous crée des faux espoirs. Ouais, mais Pascal Yakovakis, c'est à ses propres prévisions. Mais... c'est un vrai météorologue. Avez-vous entendu ça? Pascal Yakovakis? Yakovakis. Hey, lui, là, dis-le donc. Pascal Yakovakis. Bon, c'est lui qui fait la météo à Radio-Canada. Parce que, elle, c'est une radio canadienne. Ça pète un petit peu plus haut que le trou, ça, les radios canadiens. Mais pas elle. Elle s'en sert juste de son radio canadienne... Pour acheter une maison. Pour acheter une maison. Ouais, ben c'est fait. Je viens de poster le premier vlog jour 1. Je pense que je peux plus reculer. Fait que... Me suis-tu embarqué dans quoi de gros? Pardon? Hein? Ça, je dis, elle dit toujours quelque chose. Ah. En tout cas, elle m'a tout fait perdre ce que je voulais dire. Hey, on se donne de l'amour, puis on se voit demain. Ciao!